Le frère est venu me voir avec... comment c'est ton prénom avec... Michel. Michel, tu prends ce micro. Alors, il était là, Michel, dimanche dernier. Il y a deux dimanches. Il y a deux dimanches, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a deux dimanches? J'ai prié deux semaines avant de venir. D'accord. Et le Seigneur, en fait, bon, j'avais des problèmes de santé. Mm-hmm. Et la médecine voulait encore me donner des traitements, ce qui fait que ça me rend encore plus malade. Parce que dès qu'on rentre dans ce cercle vicieux. Et le Seigneur, en fait, il est venu vers moi, il m'a dit, voilà, t'arrêtes ce traitement. D'accord. Et je vais tout faire pour. En fait, un mois avant, j'avais prié pour que vous veniez à Nice. Ah bon? Ouais, ouais. C'était. En fait, le Seigneur, il m'a dit, tu vas te marier et il m'avait dit que vous alliez venir à une date spéciale. Et c'était le lendemain, justement, de notre mariage. Waouh! Voilà. Et le Seigneur, il m'a dit aussi donc, d'arrêter le traitement et vraiment de lui faire confiance. Et voilà. En sachant que ce que j'avais. Donc j'avais j'avais une hépatite en fait un peu fulgurante avec un début de fibrose. Et du coup, les traitements médicamenteux, entre guillemets, tout ce que j'avais, parce que j'avais aussi des problèmes articulaires et tout, j'ai plus rien. Waouh! Wow. Et en fait, j'ai vraiment fait confiance en Dieu. Il m'a dit, je bénis la médecine, parce qu'il ne faut pas des fois rejeter la médecine, parce qu'elle est présente, parce que Dieu est des fois là. Mais pour mon cas, en fait, ce n'était pas fait pour la médecine. Donc du coup, il m'a dit d'aller voir le frère Chora, vraiment. C'est vraiment Jésus, hein, avant toute chose. Mais vraiment d'aller voir le frère Chora. Voilà, le biologiste, il vient vers moi, il me dit, c'est incompréhensible. Ah ouais. Et c'est quoi que tu vois? Incompréhensible. Alors on va prendre un passage avant de continuer. Romains chapitre 11. Waouh, Seigneur. Alors, Romains 11, 33. Je sais pas si tu peux le lire. Aux profondeurs de la richesse et de la sagesse de la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Voilà. C'est ça, je voulais que je passe. Oui, j'ai lu. Donc le médecin dit que c'est incompréhensible. Donc le biologiste vient et il me dit que c'est incompréhensible parce que même si j'avais pris mon traitement, c'est un traitement de pré-thérapie comme on peut utiliser pour les problèmes de sida ou hépatite ou autre forme de maladie, mais il faut les prendre à long terme. Le problème, c'est que je ne les ai même pas prises de deux semaines et en plus je les prenais une fois depuis. D'accord. C'est une terrible. Et donc du coup, là il revient et il me dit c'est pas possible parce que ce même le médicament qu'on vous a donné, c'est pour faire baisser la charge virale. Mais en aucun cas ça fait disparaître l'ADN, l'ADN parce que quand on a une hépatite en fait ça crée des ADN et le virus pour revenir à tout le temps se réveiller. Sauf que là il n'y a plus rien du tout en fait. Donc ici c'était le premier examen, c'est donc, positif. C'était le premier examen, c'est pas voilà, sûr. Positif. C'est horloger la voilà, hépatite voilà, hop. C'est horloger l'hépatite B. Et là, ADN, et là il m'a refait faire donc, la charge virale. Parce que là, en charge virale, j'étais à 3 logs. Oui. D'accord. Bon, c'est un peu compliqué, mais là, 3 logs, hop, nez, hop. Et là, en fait, il n'y a plus rien du tout. L'absence. En fait, j'ai plus rien. Absence de signal mesurable. VHB. ADN du VHB non détecté. Ah. Et donc, on l'a pris, quoi, il y a deux dimanches. Hein, oui, il y a deux dimanches. Deux semaines. Voilà. Et on va nous dire que Dieu n'agit plus, que Dieu n'agit plus. Attendez, vous vous rendez compte, mes amis? Et tant que j'y suis, j'ai un témoignage, si je peux me permettre. Oh, il n'y a pas de souci, on est dans la liberté. Il y a deux mois, avant de vous venir, justement, j'ai fait un rêve où, en fait, il y avait une grande étendue de mer. Et il y a un homme derrière, blanc, habillé en blanc, il me dit, regarde la mer, ça, ce sont tous ceux qui sont condamnés. Et en fait, dessous, c'était comme une mer gelée, en fait, les gens hurlaient pour sortir. Et d'un coup, en fait, en face de moi, je vois une espèce de grosse sirène. Et en fait, je vois sa tête sortir et elle me dit, ils sont à moi. Et elle vient pour m'attaquer. Moi, je dis non, je suis un serviteur de Jésus. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est la vérité et tout. Et il y avait d'autres personnes, en fait, ils me disent, regarde en l'est. J'entendais des cris à la Wakbar. J'entendais qu'il y avait une puissance démoniaque qui arrivait très fort. Et en fait, il me dit, vas-y, cours. Et puis d'un coup, il me dit, regarde le ciel. Ça, c'est pour ceux qui sont saints et qui sont sauvés. Et en fait, j'ai vu une montagne. Et il me dit ça, c'est la montagne sainte, et ils sont tous élevés. Donc il y avait plein de gens qui montaient dans le ciel, et je pense à vous, parce que je vais revenir. Et donc du coup, après il me dit va vers là, et je cours parce que je voulais m'enfuir. Et à un moment, en fait, il me montre une pièce, il me dit c'est pas encore destiné pour toi. Et il y a une pièce, elle s'ouvre, et en fait vous étiez là. Mais c'était pas, je sais que c'était pas vous, mais ouais. Et en fait, vous montrez. La montagne là Non, j'allais pour la montagne sainte, et en fait, je me suis retrouvé dans une pièce blanche, d'accord. Et là, c'était un balcon, et vous étiez posé. Et en fait, vous me dites ça y est, c'est fini. Et j'ai dit comment ça? Et vous me montrez une montre, et en fait, sur la montre, il n'y avait plus de temps. Et il m'a dit, finis les oppressions, finis les hop. Et en fait, après, vous êtes parti dans le nuage blanc.
Et après, j'ai entendu une voix derrière en me disant, ça y est, je reviens. Waouh. Effectivement. Elle est là, papa ? Oui. Ça va ? C'est toi qui posais des questions à dimanche, à deux dimanches. Voilà, oui. Alors, comment, t'étais surprise, t'es étonnée de cette guérison ? Ah ben, en tout cas, bonne continuation, bon merci. Courage. Merci. Voilà, c'est bon. C'est bien, ça pour toi. Voilà. C'est beau, hein, David, hein ? On a prié pour lui, il n'y a pas eu besoin de manifestation. Hein. Simplement, il vous a mis à agir. Et c'est gratuit. Il a pris son baptême aussi. Waouh, il y a eu quoi, 14 baptêmes hein, il y a... C'est beau ce que je fais. Vous voyez, quand on est découragé à cause des combats et on entend de tels témoignages, on est fortifié, encouragé, requinqué.